guys, ça va? Ben, y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. Ce n'est pas toi ici. Mais la fille là ne vous fait pas penser à. Mais attendez, ce ne serait pas par hasard. Ce n'est pas moi, c'est qui? Y a qui d'autre pour faire ce genre de choses? On ne peut pas vous faire confiance avec les choses les plus basiques. But because you guys are my main men and women, I decided to give you a little bit of an explanation. Alright? Alright. So, sit down. It's time for a short story time. Il était une fois, il y a 2 ans de cela, en 2015. En passant, je savais que Facebook avait un petit retard sur les autres réseaux. Mais il faut avouer que 2 ans, c'est quand même un peu fort. Hein? Cette vidéo-ci a explosé sur Twitter. Alors, il s'agit de 3 amis qui vous invitent à une fête en Kundengi. La Young Money Revolution. Émerveillés par cette prestation unique, mes amis et moi, avons décidé d'en faire une sorte d'imitation hyperbolique pour amuser la galerie. C'est la version officielle, on va dire que c'était pour amuser la galerie. On était en totale admiration devant ce chef-d'œuvre du marketing. Donc dans la vidéo originale, elle s'appelle Donna. Hello, moi c'est Donna. Donna, Erika et Carmen. Et on a choisi des noms qu'on a estimés appropriés pour l'occasion. Dorcas, Pluchéri et Gertrude, des noms très communs. Deuxièmement, leur maquillage était un peu ressorti, on a décidé d'en faire de pire. 3. Elles ont parlé de Kundengi et nous étant à Douala, l'équivalent c'est la prison de New Bell. Et 4. Le célèbre jeu des yeux. Elles ont fait un petit roulement des yeux de très basse qualité. Nous on a élevé. We took it to new levels et on a fait l'épilepsie. Bref, vous voyez, on a tout fait pour que ce soit le plus laid possible. Et cette reprise a fait plus de bruit que l'original, sûrement grâce à nos talents de comédienne supérieure. Ah mais, qu'est-ce que vous voulez que vous disiez? Vous savez, il y a certains proverbes qui disent chasser la vidéo, elle revient au galop. On ne cache pas la lumière depuis Chéri. Les remixes seront les originaux et les originaux seront les remixes. Qui parodie un œuf sera parodié par un bœuf. La vidéo a refait surface récemment, sûrement dans un groupe Facebook, et est tombée entre les mains du très célèbre, très marrant, très mignon, très. Compliment, compliment, compliment. Très béninois, Axel Merrill, qui en a fait toute une vidéo. How cool! Axel, dont on n'a aucune idée qu'il s'agit en fait d'une parodie, ça relevait carrément du génie de le savoir. Parce que ce comportement, apparemment, il est très fréquent. Du coup, dans sa vidéo, il nous présente de façon humoristique devant son audience, et toute l'Afrique, et plus. Comme 3 moustiquaires camoufoutés qui vous invitent sérieusement à une fête derrière la prison de New Bell. Maquillés comme ça. Donc, on se trouve là dans une sorte de moqueryception. Moqueur moqué, vous savez comment on appelle ça? On appelle ça le karma. Et au fait, j'ai aussi vu ces messieurs-là. Un vrai délice visuel. However, ceci ne discrédite pas la vidéo de Axel. Ce n'est même pas pour discréditer sa vidéo. Parce que dans la vidéo originale, les filles sont bel et bien camerounaises. Yes. Et elles sont très sérieuses. Donc ceci est juste histoire que vous ne soyez pas trop largués. Hein? Il a dit que malgré tout, il aime toujours les camerounaises. Donc ça va. C'est juste nous qu'il n'aime pas. Ce sera dur, mais on doit apprendre à vivre avec. Et puis c'est un amour. Il a fait toute une vidéo dans laquelle il liste les raisons pour lesquelles il aime les camerounaises. Vraiment très marrant. C'est... Go and check him out. Maintenant que nous avons toute l'histoire, allons un peu lire les commentaires. Hein? Alors là, ça fait 2 classiques de youtubeurs en une vidéo doublée. Elles sortent d'où ces caméras? Moi, je les connais pas. C'est des camerounaises? Pas camerounaises, je connais pas celle-là. Je me fais vraiment du souci. Ces 2 individus doivent avoir le cerveau vraiment bien rempli avec tous les noms des camerounais. Genre à la Bran Stark. Emoji qui rit, emoji qui rit. Vraiment, elle gâte la réputation de nos frères camerounais. Listen, sweetheart. On ne gâte aucune réputation. Nos frères camerounais ont gâté leur réputation bien avant nous. Et juste après, le gars au Maroc là. Il nous l'aurait d'assassiner sur YouTube. Ce sont des groupes d'amis qui ont fait ça pour parodier la vidéo que d'autres avaient fait pour leur soirée en fait. Ce sont des groupes d'amis. Ah, comme un panda, comme vidéo 20 secondes. Bim, déduction, comme bam, lesquels 20 secondes. Comme si on se n'avait que ça que sur le fond. How the hell did you come up with that? Oui, c'est vrai, j'exagère un peu, mais bon, à Douala, elles sont de plus en plus vulgaires. C'est parce que le soleil tape un peu trop sur leur tête. Le soleil de là-bas traumatise le cerveau des gens. Well, congratulations, my friend, you just played yourself. On imite tes filles de Yaoundé. Gars, merci, je cherchais comment t'envoyer la vidéo des masques-ci pour que tu les calmes, ENT, un peu. Merci, merci pour tout. Alright. Mais regardez un peu ma gueule sur ce screenshot. Ramsès caché, je n'ai pas la force des revendications. Oh, il y a un qui a une histoire intéressante pour nous. J'avais fait presque 3 ans au Cameroun, mais la majorité des filles camerounaises sont ainsi.
Bien que décevant, mais je suis désolée de dire la vérité. Sinon, les Camerounais, vous êtes très sociales et je vous aime. Merci. La majorité des filles camerounaises sont ainsi. Comment? Il a passé 3 ans au Cameroun. Où exactement? Mais bon, écoutez, tout ça c'est juste pour le fun. Et... Donc voilà. Donc ce sera tout pour moi. On se voit l'année prochaine.